Non. Est-ce que je peux monter? Ouais, c'est ça, je peux monter. Je pousse ma caisse. Faut pas que le bouton poussoir se déclenche trop rapidement. Le temps que je monte au premier étage. Pour pouvoir tirer ma caisse. C'est parti. Voilà. C'est parfait. On a une première caisse. On ne peut pas y accéder. La deuxième caisse. Ah, mais je vais me servir aussi de la gravité. Si la caisse peut s'envoler, ben moi avec. Ah. Voilà. À la une, à la deux, à la trois, je la lâche. Et c'est parti, mon kiki. Parfait, parfait, parfait. Une énigme qui est corsée, mais de chez corsée. Elle n'est pas facile du tout à trouver. Donc il y a un vieil ascenseur là. Donc on peut le déclencher. Il monte, il descend. Là il est à notre hauteur, on peut le prendre. On monte. On descend. Ok. On va le prendre. Donc il y a une caisse qui est accrochée à une branche d'arbre. Donc je suppose qu'on va le déloger. Donc il y a une mitraillette à guidage laser. Si on la coupe. Merde, j'étais pas assez rapide. Ok, donc on recommence la même manœuvre. On déclenche l'ascenseur. Oui, ce tableau de bord commande l'inversion de gravité. Hop, hop. Donc on ne peut pas monter, on est obligé d'avoir une caisse. Pour le premier niveau, pour le deuxième niveau aussi, une caisse. Donc on peut bien sûr inverser la gravité. Hein. Pour passer de l'autre côté, mais le tableau de commande est très éloigné et on ne peut pas, bon, bien sûr, avec une caisse. De l'autre sens.
peut pas non plus. Ok. Donc il y a une caisse là et une caisse, vous allez voir, à l'extrême gauche. Donc il faut couper la corde. J'avais vu qu'il y avait une deuxième mitraillette quelque part. Donc, on va prendre l'ascenseur. Ah bah là, la mitraillette. Ok. Ok, on va la prendre. Non. Merde. J'aurais dû descendre de l'ascenseur avant que ça mitraille de partout. Allez, c'est parti. Ok. Voilà. Donc, une caisse. Merci, la caisse. Ok. Donc on va essayer d'aller à l'extrême gauche. Donc cette caisse va nous être utile. Non, 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 non. Pas là, pas la caisse à l'intérieur de la cabine, mais plutôt au-dessus de la cabine. On pousse la caisse. Là, parfait. On déclenche. Voilà. Donc, ça se voit pas là, mais il y a bien une caisse. Voilà. Un inverseur de gravité. Donc, tout l'art, c'est de faire passer la caisse de l'autre côté, parce que pour passer il faut avoir deux caisses, donc j'ai mis du temps à capter l'astuce. Donc tout l'art et la manière, c'est de doser la gravité, c'est-à-dire d'enclencher et de couper la gravité. Plus facile à dire qu'à faire. Donc il faut la faire passer de l'autre côté en dosant la coupure et on va jouer avec l'interrupteur arrêt marche quoi, pour faire passer la caisse de l'autre côté. Donc on va, voilà, on coupe, on coupe. Marche, arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt. Voilà. Donc, on va la laisser, voilà. Hop, 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 hop. On va la faire naviguer tout doucement en dosant. C'est pas facile. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Avance, avance. Il ne veut plus avancer. J'ai passé imprimé un mouvement initial. Attends, on va tout arrêter. Voilà. Je crois que c'est bien parti. Il faut rester concentré. Aïe 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 aïe. Trop tard.
C'est vraiment des sadiques les concepteurs de jeux. Hein. Car regardez-moi là ce qu'il faut faire. Je l'ai pas assez poussé. C'est pas possible, hein. Oh là 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 là. Pour arriver au goulot d'étranglement, il faut surtout pas que la caisse touche un des bords. Sinon, l'impulsion initiale est réduite à néant. On n'a plus qu'à recommencer. Allez, c'est parti. Non, passer. Voilà. J'y suis presque, j'y suis presque, j'y suis presque. Allez, encore un petit effort. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Normalement, en la mettant ici, là, non, c'est pas ça. Après, en inversant la gravité, elle devrait glisser. Voilà. On va inverser la gravité et normalement on va se retrouver avec deux caisses en notre possession. Voilà, donc une caisse, on va chercher l'autre. Voilà la deuxième caisse. On va pousser les deux caisses en même temps. Il est costaud ce petit bonhomme. Ok. Donc là, c'est encore une fois une affaire de timing. Qu'il faut une caisse en bas et une caisse en haut. Donc une caisse sur le pied de la marche, une caisse sur la marche. Pour aider ce petit bonhomme à grimper. Il faut un timing précis.